Salut à tous les amis, c'est moi Draco77 pour ma troisième vidéo. J'avais dit que je vous ferai donc le classement top 10 là. Mais juste avant, je vais vous dire en quelque sorte commenter un livre qui est Le Maniaque, le numéro 63, qui est celui d'avril-mai, ça c'est mercredi que je l'ai pris. Je vais vous faire voir, voilà. Attendez, hop. Bien en mettre. Voilà. Ah oui, l'image là elle est largement mieux si vous voyez. Comparé aux autres vidéos qui est un peu flou. Enfin, encore là, je montrais pas trop grand chose. Voilà, on voit bien là. On voit. Alors voilà. Donc là, on voit donc Entei ici. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ah bah voilà, on voit donc la fille que vous pouvez prendre dans noir et blanc. Si vous prenez fille, il y a New. On voit derrière OO. Là, on voit bien. Alors qu'avant, là, quand j'avais mal réglé, là, quand j'avais fait une vidéo d'essai, c'était terrible. Là, on voit Pikachu. Donc là, on voit les news. Alors là, donc il parle du concours Pokémon. Là, de Yu-Gi-Oh! Avec les Dragunité. Et Pokémon, donc il parle de l'appel des légendes. Et voilà. Voilà, on va Groudon là. Alors, on va passer directement au sommaire. Le sommaire, on le voit ici. Pokémon, Yu-Gi-Oh! 5D. Attendez, ouais, je vais me mettre. Ensuite, Wakfu et d'autres trucs, hein, trucs. Ah oui, donc le poster, alors je vais vous le faire voir. Il est juste en dessous. Je sais pas si certains l'ont remarqué quelque chose. Et le voilà. Il était là aussi lors de mes deux premières vidéos. Et oui. Il est là, le voilà. Il sert en quelque sorte de tapis. Voilà. Ah oui, excusez-moi, je vous ai dit, c'est quoi ça, il n'y a plus de son. Bon, bref, voilà. Donc voilà vu. Alors maintenant, donc on va passer à la suite. Le combo des lecteurs avec le gagnant du mois qui est Valentin. Donc c'est écrit que mon combo permet d'accélérer les jeux synchro avec peu de cartes. Attendez que je vous mette bien. Le voilà. Et c'est écrit j'espère qu'il sera très utile à vos lecteurs. Donc là il parle à Maniaque parce que sinon il aurait mis à vous lecteurs. Enfin bon, on s'en fout un peu. C'est parti. Là on voit numéro 12 des chasseurs de monstres avec Pokémon 5G. Là il parle donc de Pokémon, voilà de quelques évolutions de certains Pokémon. Ici donc là il parle un peu de tout, hein. Pas tout regarder, sont là mon but. La vidéo devrait pas, je voulais pas qu'elle prenne trop de temps. Parce que c'était juste une petite parenthèse avant le classement. Voilà, donc là il parle de l'appel des légendes. Voilà, il parle aussi de l'appel du online. Enfin, c'est online à partir de Pokémon.com. Hein, faut y aller. J'ai testé, c'est pas mal. Là, c'était en mode bêta. La dernière fois, au moins, j'y ai joué. Alors, ça arrivait que ça buguait, mais assez rarement, donc il est bien. Après, oups. Voilà, donc là, voilà, il parle de deck. Un plutôt Lucario, l'autre avec un Magnezone Prime. Après, d'autres trucs, hein, allez, on va passer directement à Yu-Gi-Oh! Là, il y a Wakfu. Bon, je vais pas trop expliquer ce qu'il y a. Oh là, il y a Pandala Express. Alors bon, comme je ne m'y connais pas du tout en Wakfu, je vais pas. Là c'est juste pour faire voir ce qu'il y avait. On va passer directement à la suite, parce que là comme je vous l'ai dit, je connais pas du tout. Pour moi j'ai cité Wakfu. Alors là franchement c'est une. Je connais pas. Enfin, je connais pas. Je m'intéresse pas donc évidemment je ne peux pas vraiment savoir comment ça joue.
La cote des clashs qu'on a l'habitude de Yu-Gi-Oh! Pokémon. Alors là, j'ai vérifié, c'est les mêmes que lors du dernier, il me semble. Je crois qu'il y avait bien la série Gold 3 la dernière fois. Il parle de Yu-Gi-Oh! Donc 5D, 5D à la télé et aussi au ciné. Hein, je vous rappelle qu'il y a un film 3D avec à l'honneur Yusei, Yugi et Jaden. À la Crypte des dieux. La rencontre avec les Dragonites. Les Dragonites, excusez-moi. Ensuite. Là, c'est des decks. On ne voit pas, il passe si longtemps. Et voilà. Après, juste avant de terminer, voilà, donc concours victorieux de Triomphe. Donc premier ou troisième prix, un starter de Triomphe. Donc voilà, un des deux, plus 3 boosters chez Triomphe. Et quatrième ou dixième prix, c'est quasi pareil, hein, c'est un starter de Triomphe, plus 2 boosters. Donc un booster en moins. Alors d'un côté, c'est sûr que c'est pas beaucoup de 3 boosters, mais d'un côté, il y a le starter qui compense. Après, donc la question fr facile, franchement, quelle est l'extension Pokémon qui s'intercale entre le bloc Heart Gold Soul Silver et le bloc noir et blanc. Alors soit il y a l'appel des légendes, le bloc orange et mauve et Pikachu Superstar. Alors j'ai oublié de vous le dire. Là dans ce bouquin là, il y avait un booster d'HS n'importe quoi, de l'appel des légendes, plus un que j'avais acheté. Alors comme le micro ne marchait pas, j'ai cru que ça n'allait pas marcher avant des semaines. Après, j'ai essayé comme par là ça marchait, j'avais déjà déballé les paquets, je suis vraiment désolée. Ouais, bon. Alors, la carte que j'ai la plus rare, si vous voulez savoir, c'était Pharamp. Voilà, en rare. Sinon, voilà. Vous savez, c'est le Pharamp derrière le Silver qu'ils ont refait. Il y a eu des rééditions. Donc, là, c'est bah, évidemment l'appel des légendes. Hein. Je veux dire. Voilà, hein. Déjà l'explication, ce qui est déjà justement un paquet de l'appel des légendes. En plus, ceux qui s'y connaissent au JCT Pokémon, je veux dire, vous le savez automatiquement. On passe directement à la fin. Donc là, la quatrième de couverture, là voilà. Avec donc, lors du numéro Mania 64, un booster de la toute nouvelle série Pokémon, en cadeau avec ton Mania 64. Donc là voilà, avec les 4 boosters avec Zoroark. Après Zekrom, après l'évolution de Zébibron, je sais plus c'est quoi son nom, excusez-moi. Et Reshiram, et là on voit Ratatouille. Voilà, avec plein de Pokémon. Voilà. Bon, je crois que j'ai fini. Ouais, là. Donc, à tout de suite, parce que là je vais justement faire le classement. Enfin, qui est déjà prêt. Allez, on va finir avec un très très beau Vipélière. Allez, viens Vipélière. Elle est où ta carte? Elle est cachée. Allez, salut à tous. Bye bye. Goodbye.